Coucou les morues, comment va ? Cinquième épisode de Primeria. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé lors du dernier épisode, ça va être le rush du full diamant. Donc comme d'hab, vous connaissez le rituel, tout ça, je vais le faire en live Twitch. Parce que comme ça, bah du coup, je peux lancer des prédictions, des défis et tout, en mode combien de diamants est-ce que je vais miner ? Enfin, voilà. Suite à ça, on va donc crafter notre full diamant, crafter la table d'enchant et aménager un spawner. On fait tout ça aujourd'hui, comme ça, ça nous met très bien. Et juste après, on va commencer à faire le build de la maison. Et le build, comme je vous ai dit, il promet. Pour ceux qui veulent se faire un peu spoil, bah Twitch. Sinon, bah épisode 6, ça sera le build de la maison. Comme d'hab, pense à like, abonne-toi si c'est pas encore fait, très important. Et nous, on se retrouve à tout de suite pour la suite de l'aventure. Et bah let's go, on descend, on est couche 90. On est très haut quand même, on est dans les montagnes. Donc le temps de miner... jusqu'en bas. Je pense qu'au retour, ça serait bien que je crafte des escaliers. Parce que sinon, je vais galérer à remonter. Hop. Bonjour Gilbert. On va juste faire un escalier pour après. Allez, juste prendre l'épée en main. Parfait. Limite, est-ce que je go avec les shaders? Parce que avec les shaders, en fait, ça permet de voir avec la torche. Voilà. Avec la torche en seconde main. Aïe. Voilà, parfait. Et en plus, je vois humer les minerais. Donc c'est tout bénef. Je vais déjà prendre un peu de charbon. Histoire de faire les stocks. Et après, on ira chercher du fer, on ira chercher du diamant surtout. Je vais essayer de poser des torches pour le chemin. Et on va descendre, bah, du coup, au plus profond possible. Hein. Sachant que là, je suis quand même assez haut encore. Du coup, je rappelle... Attends, il y a quelqu'un là? Il y a une tombe. C'est la tombe de qui? Il y a une tombe. Attends, il y a peut-être du stuff dedans, qui sait? mais qui est-ce qui s'est aventuré par là? J'arrive pas à voir ce qu'il y a dessus. Mort. Je vois pas le pseudo. J'arrive pas à voir. Il y a quelqu'un qui est mort ici. Je vais faire le tour. Il y a pas de diamant pour l'instant. On y couche. Oh, il y a les skulls qui tout là-bas déjà. Oh. Pourquoi les seules tombes sur le serveur, c'est des tombes de Maros? Ok, bon, on va prendre sa tête. Hein, et on va tuer les zombies du coup. Ah, hey. Ok. Bon, du coup, Maros s'est fait bully par un squelette ici. Voilà. Wow, 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 wow. Ouais. Il y a du monde ici. Aïe. Attendez. Bouclier. Ah, mais c'est un donjon. Mais il y a un spawner. Il y a un spawner. Nice. J'ai trouvé un spawner en dessous de chez moi. Bah cool. Bah cool, hein. Écoutez, c'est une bonne nouvelle. Hein. Il y a un spawner en bas de chez moi. C'est super. Vous pouvez pas rêver mieux. On va juste faire ça. Là, j'ai pas mal de chance quand même. Là, j'ai des armures et tout de cheval. Hein. Des ficelles, des seaux. Ok, bon, après, name tag, c'est pas mal aussi. On va garder le spawner. Il est vraiment genre en dessous de chez moi. Je l'aménagerai un peu plus tard. Et je pense que j'irai farmer au spawner pour les XP au départ. Mais c'est vraiment en bas de chez moi, quoi. C'est trop bien. Quand juste ici, t'as du skulk. C'est un peu compliqué. Oh non. 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 Reste sous terre, le warden. Non. Non, 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 non. Non. Et en fait, je peux pas passer, là. C'est un cul-de-sac. En fait, là, t'as un shrieker pile ici. Ok, je vais faire demi-tour, il n'y a pas de diamant. Je vais checker avec les shaders si par hasard je peux pas spotter un diamant. Bon, j'avoue, c'est pété pour ça. Ah, salut toi. Salut, salut. On va poser des blocs. J'ai de la stone, enfin de la cobblestone. Parfait, on va monter. Mais la grotte là, elle est vraiment pas mal pour le coup. Hein. J'aime bien. Oh, mais c'est grand ici. Et franchement, faire une petite base ici, ça serait pas mal aussi plus tard. Franchement, je retire tous les shriekers. Je vais me faire des pop 10 fois par des wardens entre temps, c'est pas grave. Mais genre, je retire tous les shriekers et je me fais une base ici. Genre, elle est trop bien la grotte en fait. Elle est trop belle. T'as un peu de lave, t'as des piliers de skulk et tout, c'est trop beau. Y a pas de skulk sensor par là. Ça a l'air d'aller. On va prendre le diamant. T'as le mec le plus discret au monde. Je suis devenu un ninja entre temps. Ok, 2 diamants en plus. Bon. Shader, est-ce qu'il y a du diamant qui traîne? Non. Non, il n'y a que dalle. Je remonte un peu. Oh! Diamant, 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 diamant. Allez, go. 1, 2 et 3 diamants. Ok, au pire, vous savez quoi? On va creuser. On va creuser et on va tenter de trouver des diamants à l'accouchement 50. Je sais, ça va être long. À la limite, ce que je peux faire, c'est déjà crafter une pioche en diamant. Ça ira légèrement plus vite que notre pauvre pioche en fer. Et on va descendre peu à peu. Hein. Donc là, je suis peut-être juste un peu poissard. Apparemment, t'as God River, lui, qui va dans les mines, qui trouve plein de diamants. C'est le premier. Là c'est le premier. Attendez. C'est le premier. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Salut, toi.
On va donc retourner à la surface et juste là. Juste. Attends, c'est où? C'est où? Je tourne en rond, mais j'ai trouvé une tombe en fait quelque part. Elle est où la tombe? Et je l'ai pété. Ah, oh, mais c'est une cité antique. Je fais comment? J'ai pété la tombe. J'ai pété la tombe, je fais comment maintenant? En fait, si je jette un bloc par terre, ça va faire du bruit. Et je vais me casser très vite. Ah, je suis bloqué avec du bois, je suis obligé de le jeter. Non, je ne veux pas jeter le bois. Non, 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 non. Oh merde. Non, 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 non. Je me taille, je me taille. On va faire les items, les outils. Donc moi, il me faut une hache. Il me faut une épée. L'épée, c'est pas le plus urgent, mais je vais quand même la faire. Il me faut un casque, un plastron, des bottes. Ok, on est pas mal. Donc là, je peux déjà full équiper si je veux. Ensuite, du coup, la hache, elle va là. Ah, elle va là, pardon. L'épée, la pioche, on va la fusionner, je pense, pour la réparer. Là où j'en ai déjà une, il me manque une pelle. Qu'est-ce qui me manque? Bah, j'ai tout, en fait, non? Non, bah, ça devrait être bon. D'ailleurs, au niveau des enchantes, qui sont pas trop mal... J'ai un bouquin raccommodage avec un bouquin efficace. Ça, vous voyez, ça peut directement partir dans une pioche. Mais, je vais quand même enchanter niveau 30 la pioche avant. On sait jamais. Je mettrai raccommodage après. Mais déjà, enchante la pioche niveau 30, ça serait déjà pas mal. Pour cela, il faudra des bouquins, donc du cuir et de la canne à sucre. L'opsy, j'irai en chercher dans les profondeurs. Et puis, il faudra un bouquin de plus. Donc là, il me faut 15 bouquins encore, c'est-à-dire 15 de cuir et 45 canne à sucre. Je pense qu'on va directement aller farmer ça. Bon, 44 cannes à sucre du coup. Je sais pas s'il y a des champs de cannes à sucre quelque part dans le village. Est-ce que quelqu'un a planté? Flanou t'a planté ou pas? Juste pour l'enclume, on va la crafter maintenant. Tac, les blocs de fer. Les 4. Et parfait, on va se faire un autre enclume. Qu'on va poser tiens, ici. Pour les deux, c'est 2 levels. En vrai, ça la répare pas mal quand même, hein, mine de rien. Bon, on va garder les levels, ok? On va garder pour l'instant. Moi, je vais juste peut-être crafter les premières bibliothèques, histoire de dire. Est-ce que j'ai du bois qui traîne? J'ai plus beaucoup de bois, par contre. Hein. Les bouquins, hop, on va crafter des bibliothèques. 9 biblios. On peut peut-être en faire une dixième, même. Et la bibliothèque juste là, parfait. Du coup, il m'en manque plus que 5, hein. C'est pas mal. Et je vais avoir la table d'enchant au niveau 30. Comme ça, Flanou... Ah bah tiens, il y en a ici. Bah nickel. Comme ça, Flanou, elle pourra participer... Enfin, elle pourra aussi utiliser la table, même tous les membres, en vrai. Genre, si j'ai fait la table, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi. Donc, autant que je partage, ça fera ça en moins pour les membres. Ok, parfait. Du coup, j'en ai 13. Il m'en manque, j'ai dit combien, 45. Donc là, il m'en manque, ouais, il m'en manque genre une trentaine, 32. Est-ce que ça serait chez Asphax, hein, avec sa tête? Il s'est auto-kill ou quoi? Chez Asphax, en cours de construction. Ah ouais, ouais, bah, attends, je taxe. Je taxe, on n'a rien vu, je taxe. C'est pour le bien des primériens, ok? De toute façon, ça va repousser. Hop, 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 hop. Ben voilà, et ben voilà. Hop, c'est bon, on a assez. Bon, en vrai, je devrais en faire aussi des champs. Mais flemme. Écoutez, on va partir chasser de la vache. Hein. En vrai, hier, j'en ai croisé pas mal. Je vais faire le même chemin qu'hier. En fait, je vais partir de la montagne derrière. Et je vais tenter de farmer des lamas et tout. C'est pas trop mal. D'ailleurs, bah, j'avais 43 papiers dans les coffres. D'accord. Ok, bah tout va bien. Bon, j'ai vu des mangroves par là-bas. Je sais pas qui c'est. J'ai vu des propagules de palétuvier. Ah, mais c'est Smithies, là, je crois. Salut, je suis une iron farm. Oh, non. Attends, il a combien de fer, Smithies? Il est où le stock d'écu de Smithies là? Privé, The Smithies, tabarnak. Ok, d'accord. Je check, j'espionne. Tabarnak. Ah bah il a 2 fermes à faire. Ah ouais, non, le mec c'est un businessman en fait. Salut, je suis l'autre ferme Iron. Oh, il est déjà dans le turfus Smithies. Là t'as tout le village. Regarde la canne à sucre qui est là-bas. Bon, c'est quoi qui fait ce bruit? Il y a Warden là. Il y a Warden, il y a des gens. Il y a Warden qui les poursuit. Attends, c'est qui en bas? Il y a Cardian, Gold River, Flanou. Allô? 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 Non, Cold, casse-toi. Casse-toi, Cold, casse-toi. Bah alors, ça fait joujou avec des Warden. Attends, je vais venir vous voir. Attends, ils sont où? Il se passe des choses par ici, là. C'est la fête Warden? Ouais, on s'amuse. Flanou est en haut? En fait, vous faites quoi, là? C'est quoi le plan du Warden en bas, là? Mise avec Warden. Ah oui, je vois ça. Zéro plan.
C'est ça, genre il essaye de remonter. On s'amuse jusqu'à qu'il y en ait un de nous qui meurt, je pense. Est-ce que j'ai des flèches? Non, j'ai pas de flèches moi, je suis pauvre. Mais vous essayez. Ah, mais peut-être qu'il vous chassez la tête de Warden, non? Non, faudrait un arc pour faire ça, mais. En vrai, ça aurait été une bonne idée. Ouais, parce que, ouais, il y a les têtes. Vous savez qu'il y a les têtes de Warden, hein? Ouais, c'est one shot de jouer le fer, mais là j'ai pas d'arc, mais je le ferai demain. Attends, c'est où? Vas-y, mon petit, vas-y! À quoi elle ressemble déjà? C'est. Elle est pas mal en vrai. Non, ah, mais oui, tu vas oui. te prendre une attaque à distance, tu vas elle voir est pas trop tu mal, sais ouais. que l'attaque à distance, elle traverse tous les murs et elle te fait mid vie. Ah non, mais l'attaque à distance, elle est totalement horrible. Attends. Mais le creeper ne fait pas de dégâts. Je vois des tentatives d'assassinat là, c'est qui? C'est Flanou. Flanou, le tribunal. Non, les creepers explosent. Pas. Flanou, viens ici, Flanou. C'était quoi ces boules de neige là? De l'eau. Ah, mais attends, en fait, vous essayez de faire tuer le Warden par le golem? Eh, il est pas content le Warden. Hein. Il est pas content le Warden. Attends, mais il y a un deuxième Warden ou quoi? Pas tout à l'heure, ouais, on en a fait spawn 2. Ah ouais, il y en a j'ai un qui va se prendre. Je suis débile. Bah, Cold. Oh là, Cold, il s'est fait. Il s'est fait. Il s'est fait bully, Cold. On a assisté à la mort de Cold en direct. Voilà. Il s'est fait tuer par Sonic Boom. Voilà. Je me casse. Eh, mais en vrai, il s'est bully par le golem quand même. Hein. Ton stuff, tu iras le chercher peut-être demain, je pense. Hein. Oh, il se fait lunch. Attends, le golem est en tête-tête. Mais en vrai, je pense que le golem, il va se faire le Warden. Oui, il va le tuer, bougez pas. Il est accro par nous, le Warden. Et le golem, il lui fait zéro dégâts parce que le Warden est attiré par nous. Il va monter. Ah oui, par contre, il monte. Il est en train de monter. Il monte un peu quand même. Non, ça va. T'inquiète. On assiste à la mort du Warden. Cold, petit plongeon. Chaud, ouais. Je te fais un chemin si tu veux, t'en bouges pas. Un truc d'eau. Je te fais un chemin. Un truc d'eau ouais, j'ai un truc d'eau. Tu veux que je pose de l'eau? Ouais, que je pose. Tiens, je te fais un chemin. Bah attends, parce que là, vas-y si t'as envie là. Attends. Cardian, fais gaffe, t'as de l'eau au-dessus. Merci, ça me permet de prendre. Nickel. Ah, ça aide les deux. Ah, c'est trop beau. Bon, par contre, là. Ah, si, il est encore collé au golem. Je te promets que si le tue, moi je le rush, je pourrais choper la tête. Hein. Ouais, bah vas-y. Hein. C'est mon golem, c'est le premier qui chope la tête. Le premier qui a les couilles, surtout de sauter et aller chercher la tête. Hein. Surtout. En vrai, on observe tous là. Le truc, c'est une arène. Oh, il est mort. Aïe. Y'a pas de tête. Ah, mais c'est non. Parce que aïe. Il faut qu'il soit tué par un joueur. Ah, dommage. Venez. Suivez-moi, il y en a un autre là-bas, regarde. Comment ça, il y en a un autre? Alors, même à plusieurs, il nous dépop. Hein, il est où? Il est genre juste en dessous de nos pieds. Je le vois pas. Mais là où il était tout à l'heure. Là où demande à Cardian. Est-ce qu'il faut stick touch pour un stroke sensor? Oui, ouais, oui, il faut stick touch. Il faut. Ah, il tire sur un truc. Je le vois pas. Je pense que c'est. J'essaie de ping. J'ai envie d'aller voir. Est-ce que c'est auto-aim ou tu peux aller dodge? Tu peux dodge l'attaque? Je pense pas que ça soit dodgeable, honnêtement. Le rayon il part tellement vite que clairement il y a aucun moyen de dodge, vraiment. Ah, attends, oh, what? Il spawn là-bas. Il spawn ou. Ouais, y'en a un qui spawn là-bas. Tu le fais spawn un deuxième ordre? Il est sur moi! Voilà, oh! Il est remort! Ah, en fait, il est tombé! Mais attends, mais il était où? On a entendu. Oh! Et il est fini. Tranquille! Ça va. Ah, wow! Oh, pourquoi il y a un trou ici? J'ai dû faire un MLG du turfu? Oh. Wow. Non, pourquoi ils marchaient vers moi là? J'ai fait quoi pour mériter ça? Pourquoi je suis allé avec eux? Il était là-bas le Warden. Je repasse pas là-bas, c'est mort hein. Je remonte comme ça. Vous avez réussi à récupérer le stuff ou pas? Non, quel stuff? Bah celui de Cold. Ah non, mais il y a toujours un Warden, hein. Moi j'y vais pas. Hein. En vrai, si j'avais un arc, en vrai je l'aurais tenté, mais c'est chaud. Ah, on a pas d'arc encore. Hein. Feu, pourquoi ça prend feu ici? Ah, c'est un golem, ok. Quoi? Bon, vas-y, je vais aller fermer du cuir, moi. Il me faut du cuir pour la suite. Bon, bah écoutez, on va faire demi-tour. Hein. Et du coup, en pleine nuit, je trouverai pas d'animaux. Oh, c'est quoi ça? Ah, il y a un portail. Attendez. Il y a un portail. J'entends les fantômes là, non? Où l'obscurité? Où c'est l'obscurité? Ah, mais il fallait de l'opsy! Bah, parfait! J'ai mon opsy du coup. Il est où le coffre? Là. Ah, ouais. Raccommodage. Je vais garder un stuff pour plus tard au cas où. Ça peut servir pour. Quand on irait dans le Nether, tout simplement. Nickel. Et bah, je vais me servir en vrai. On a une petite particularité sur le serve. C'est qu'en fait, on peut faire des portails de toutes les formes. Et les portails avec l'obsidienne pleureuse marchent. Voilà. C'est le datapack qu'on a mis. Ça change, quoi. Non. J'ai mis 5 d'opsy. Ouais, c'est bon, vas-y. Ça ira. Oh, des moutons!
Oh, il fait jour. Bon, bah j'ai failli faire un lit. Bah du coup, je vais suivre le chemin. Hein. Je vais y aller chez moi, du coup. Hop. Bah en vrai, vous savez quoi? J'ai peut-être piqué des vaches à Flanou. Et je vais faire mon enclos. Parce que là, j'ai du blé. J'ai plein de blé. Hein. C'est bien. Je vais crafter, du coup, vite fait, les derniers bouquins pour les tables d'enchant. Ok, 5 biblios. C'est parfait. Du coup, je les pose juste là. 2, 3, 4, 5. Je craft la table d'enchant. Attends, il me manque un cuir. Alors, 2 secondes. Je vais faire un truc. Je vais faire un truc. Les vaches, venez par ici. Désolé, il y en a une qui va passer à l'abattoir. 1, 2. Il est où le bébé? Ah, c'est bon. Bon, maintenant, j'en tue une. Cool. J'ai un livre dans le coffre. Voilà. Vous avez entendu le bruit de mon front. C'est normal, vous inquiétez pas. Bah, parfait. Et bah, go. Du coup, il me faut 2 diamants. Et du coup, j'ai la table d'enchant. J'ai la table d'enchant. Et je peux enchanter au niveau 30. Recul. Effi 3, c'est nul. Effi 3, non mais c'est quoi ça? Recul 2, Effi 3. Mais c'est cassé. Ah, trop marrant. J'adore. Pareil, du coup, c'est protection contre le feu. U3. Ok, ça va. Passez-moi des... Ah, là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Là, j'approuve. Bon, bah, du coup, ce serait les bottes en premier. Ok, on est pas mal niveau bois. Je vais faire quelques petits enclos, du coup. Je pense que je vais... Attends, comment est-ce que je pourrais faire pour éviter qu'elle parte? Parce que là, je crois que t'as... Ah oui, t'as ma grotte. Oui, donc là, t'as ma grotte. En fait, Flanou, elle a mis ça sur le flanc de la montagne. Elle aurait pas pu mettre ça, genre, en bas. Flanou, quoi. Fais un effort. Comment est-ce que je vais me débrouiller? Je sais pas, comme ça. Par contre, il me faut du blé. Je vais aller chercher du blé par là-bas, du coup. Bon, les vaches, je vous nourris un petit coup, là. Il y a que 5 vaches. Demain, Flanou, elle va se reco. Il va y avoir genre 50 vaches. Hop, parfait. Vu que... En fait, le truc, c'est que j'ai Mending et j'ai FI4. En vrai, attendez, je vais mettre sur les jambières, là, directement. 8 levels. Allez, vas-y, c'est bon. Ça part. Comme ça, je peux sneak et marcher vite. C'est trop bien. Je sneak en courant. C'est trop bien, c'est trop pratique. Bon, bref. Je vais prendre des escaliers. Et nous, on va sous terre. Il y a un spawner qui est juste en bas de chez moi. Non, mais vraiment, je suis remonté pour check. Et en fait, j'étais pile au niveau du spawner. Je suis sérieux, moi? Bon. Ok, le spawner. Allez, on aménage le spawner, du coup. Ah mais attends, attends. Ah oui, j'avais oublié ce détail-là. En fait, juste à côté, il y a des skulls que shrieker, là. 1, 2, 3, 4. On va fermer ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, il y aura un mur ici. 1, 2, 3, 4. On laisse le mur. 1, 2, 3, 4. Ok. Ici, on va faire un trou. Enfin, toute une rangée. Donc là, ça va permettre de faire couler les mobs tout le long. Les seaux d'eau, on les met juste là. Nickel. Il faut un dernier seau d'eau juste là. Ici, on fait un trou. 1, 2, 3, 4. Ça devrait largement suffire. Et ici, on creuse vers le haut. Lieu où on va poser nos échelles. Ok, parfait. Et on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Du coup, les mobs vont tomber juste là. On va agrandir un peu. Parce que là, sinon, on va se sentir un peu à l'étroit. On va prendre le hopper. On va le mettre comme ceci. Ça passe à travers les dalles, les ressources, on est d'accord. Hein. Je sais plus. Ouais, je crois que oui. Hein. Je crois que oui. Ok, bah, on est tout bon. Et du coup, bah, on va juste retirer la torche. Et puis voilà, quoi. Hop. Allez. Non, 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 non. Ok, c'est bon. Aïe. Mais, comment il l'a tiré jusqu'à moi? What? Nickel. Ouais, c'est bon, ça passe, nickel. Ça passe, ça passe. J'avais un doute. Ah, ça va être cool. Hop, allez, virer les squelettes, là. En vrai, ça a été assez rapide, quand même, pour le spawner. Hein. C'est cool. Bon, par contre, les vieilles épées par enchant, là, c'est pas pratique du tout. Hein. 14. En vrai, les os, ça va vraiment vite. Hein. Les flèches, comme ça, je pourrais... Eh, en vrai, vendre mes flèches aux joueurs, ça peut être pas mal. À chaque fois, ils sont en mode, ouais, j'ai pas cette flèche. Nous revoilà à la table d'enchantement. Il est temps d'enchanter tous nos items et nos outils parce que là, j'ai quand même farmé 52 niveaux grâce au spawner à squelette que j'ai aménagé juste avant. Bon, Flanou, bien sûr, on a un peu profité, hein. Bah, tant qu'à faire. De toute façon, on joue en team, c'est fait pour. Là, je pense qu'elle s'est full enchante. Ça y est, du coup, t'es enchante, Flanou? Bah, non. Bah, j'ai eu un casque and breaking 3, là. Je suis dégoûté. Ah, c'est tout? Ouais. Bah attends, moi du coup, attends. Ah non, c'est vrai, moi j'avais les... Attends, j'avais des bottes en chute amortie 4. Chute amortie 4, protection 3. On va voir si j'ai la chance sur l'épée U3, non. Protection contre le feu. Chance. Ouais, mais j'ai plus de P4 là, par contre, c'est que des solidités 3. Je suis pas serein. Ah oui.
Non, c'est pas fou. Hein. Limite, je vais mettre un enchant sur l'appel en premier. U3 à l'appel, super. J'adore. Je suis totalement blasé, mais c'est pas grave. Ah, affilage 3 sur l'épée, châtiment 4. Parfait. Oh, par contre, ça c'est très bien. Bon, il n'y a pas de butin, mais c'est dommage. Oh, bah, du coup, la pioche, j'ai comme toi. Fortune 3, FI 4, oh. U3. Ah, U3 ? Ouais. Ah, non, j'ai tout. J'ai la pioche parfaite. Du coup, après... Ouais, pour le coup, j'ai de la chance. Protection contre le feu sur le plastron, explosion sur le casque. On va essayer d'enchanter la hache. Ah, il est que fortune 2, je suis dégoûté. Bon, casque P3... Affinité aquatique, plastron U3. Bon, c'est mieux que rien. La pioche, par contre, elle est parfaite. Tu peux désenchanter, de toute façon. En vrai, ouais, je pense que je vais peut-être désenchanter. Genre la hache Fortune 2, très clairement. Ah, Fortune 2, IFI 4, U3. J'ai eu après. Franchement, j'ai eu de la chance, là. Il y a juste l'appel U3, c'est pas ouf. Dis-moi, j'ai un bouquin mending, du coup. P3, IFI 4. Et je pense que je vais les mettre sur mes outils directement. Hein. Genre, IFI 4, on va faire ça. IFI 4, raccommodage. Par contre, je vais avoir une pioche pétée. Hein. IFI 5, raccommodage, fortune 3, U3. The pioche, quoi. Hop, le casque. Le casque P4, du coup. Non, là, je suis très bien enchanté, là. Bon, bah écoutez, au niveau des enchantes, je suis pas mal chanceux quand même. Genre juste le plastron qui est en U3, sinon P4, P3, chute amortie 4 quand même, protection 4, la pioche, la sainte pioche, elle est parfaite. Là, je vais pouvoir farmer masse diamants avec ça. Ensuite, l'appel, c'est dommage, la hache, FI 4, l'épée, châtiment. Mais voilà, j'ai des trop bons enchantes là, c'est trop bien. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, on aura aménagé le spawner et tout, c'est pas mal. Dès le prochain épisode, par contre, on attaque la maison, donc c'est-à-dire farm de mangrove, de propagule de palétuvier, et du coup, bah, prochain épisode, plantation de propagule de palétuvier. Voilà. Eh bien écoutez, oublie pas le like, abonne-toi, je rappelle, je live le soir sur Twitch, donc n'hésite pas à venir, et on se retrouve à très vite. C'était Miro, je vous kiffe, ciao.